La vie n'a de sens que dans la plus-value que l'on apporte dans la vie des autres. Cet adage de solidarité prend corps dans la fondation Kasalu Koka, son sigle, la prise en charge et l'accompagnement des enfants en rupture familiale, notamment les enfants de la rue et les orphelins, demeure le cheval de bataille de FOCAS, reparti sur 3 pôles, accueil socio-éducatif, le pôle éducation et formation, ainsi que le pôle médical. Les missions de la fondation Kasalu ont été dévoilées à Kinshasa. Estimés à plus de 40 000, les enfants en situation de rupture familiale en République démocratique du Congo, dont les orphelins et enfants de la rue, vivent dans une précarité profonde. Le désespoir d'un avenir brisé, des rêves qui peuvent se rebâtir grâce également à la fondation Kasalu, qui prône un avenir pour tous. Ils étaient nombreux à venir assister à la présentation de cette structure qui a depuis des années œuvré au service des démunis. Devant la première dame de la République, Denise Nyakeru-Tshisekedi, et plusieurs invités venus de tous bords, la présidente de FOCAS a dévoilé sa vision, celle de bâtir un Congo plus beau qu'avant, avec le concours de ses catégories vulnérables. Les conditions de vie précaires d'un grand nombre de mes semblables causent une profonde indignation au-dedans de moi et m'obligent à promouvoir, tant soit peu, les droits basiques d'un échantillon de ceux qui semblent laissés pour compte, et ce, dans le strict respect de la dignité de chacun. La Fondation Kasalu vient donc, comme cette autre ouvrière de la dernière heure, mettre la main à la pâte, mais avec sa particularité. Donner du sourire à nos semblables en leur donnant les basiques de la vie est certes une tâche lourde, n'est pas impossible. La particularité des FOCAS repose également sur l'éducation et la formation, conformément à la vision du chef de l'État, centrée sur l'homme. D'où le dévoilement d'un projet de construction d'un centre polyvalent d'accueil avec un orphelinat, un centre d'hébergement, une école de formation, mais aussi un centre de santé. La Fondation Kasalu se veut être un vivier de préparation à l'avenir, une courroie d'accompagnement, notamment par une formation continue, mais aussi un carrefour de réseautage de plusieurs orphelinats. Bref, un incubateur qui permet de faire du Congo une terre fertile, où chaque enfant sans discrimination de classe sociale peut avoir la possibilité d'oser ses rêves, de semer ses rêves et de les voir germer et se réaliser. Touchés et convaincus, plusieurs invités se sont mobilisés pour appuyer ces projets et actions de FOCAS. Notre but premier, c'est de prendre ces enfants qui sont abandonnés, de leur donner un espace, les recueillir, mais en plus de ça, exploiter le potentiel qu'il y a en eux, en leur donnant aussi des formations, en les formant pour le futur. Parce que nous croyons, comme le dit notre slogan, que nos enfants sont l'avenir de demain. Notons que la Fondation Kasalu s'emploie à ne ménager aucun effort pour concourir à la réduction du taux de précarité des catégories vulnérables en RDC à travers sa vision d'un avenir pour tous, axé sur 3 pôles d'action, notamment le pôle socio-éducatif, le pôle éducation et formation, mais aussi le pôle sanitaire, avec un accent particulier sur l'autonomisation. Oui.